دعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أرى رب العالمين تطيب أسعد قلوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'énumération des bienséances à observer lors de la lecture du Coran. Et que la personne, on ne pourra trouver bonheur, réussite, guidé, si on revient vers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir une relation avec le livre d'Allah azza wa jalla. Avoir une lecture du livre d'Allah avec un cœur présent. En ressentant que cette parole, c'est la parole du Seigneur de l'univers. Que Allah l'a réellement prononcée. Et cela fait partie de la sincérité envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de savoir qu'Allah nous a fait miséricorde, or qu'on était dans les ténèbres, on ne connaissait pas le bien du nuisible, l'a guidé de l'égarement, si ce n'est par l'intermédiaire de ce noble livre, qui guide vers ce qu'il y a de plus droit, qui est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guérison contre les ambiguïtés, les doutes et toute autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fi s-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs. » Le cœur, il a besoin du livre d'Allah. Il a besoin de la lecture, de la récitation du livre d'Allah, de l'écoute du livre d'Allah. Sinon, ça, il ne sera pas ce cœur, il n'atteindra pas sérénité, apaisement. Même si d'apparence la personne elle acquiert des biens mondains, mais le cœur a besoin de cette lumière, de ce bienfait, de cette foi, de cette guérison qu'elle acquiert par la lecture du livre d'Allah. Ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide. Il ne trouvera pas guidé. Certaines personnes pensent que la guidée, c'est que le bonheur, c'est dans le fait de ramasser les biens de ce bas monde, que ce soit dans l'illicite tout comme dans l'illicite. Et regardez la situation de ces personnes-là. La réelle situation de ces personnes-là, c'est qu'ils ne trouvent pas bonheur. Même si d'apparence, ils font sortir certaines choses, ils font apparaître certaines choses, mais le cœur n'est pas apaisé, ne trouve pas sérénité, mais la personne trouve angoisse, elle trouve angoisse, panique et toute autre chose. Et cela est le fait d'être loin de ce livre, loin du Coran. Car le Coran, c'est un guide pour toi. Si tu cherches la guider, la guider à travers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te permet de reconnaître le bien du nuisible, la guider de l'égarement. Allah, il dit un guide et une miséricorde pour les croyants. Une exhortation vous est venue de la... Oh, vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. C'est pour cela que la personne,
se doit d'être en relation de manière permanente avec le Coran et le fait de méditer sur les versets d'Allah, car c'est ce pourquoi le Coran, l'objectif pour lequel le Coran a été révélé. La personne, elle le lit, elle médite dessus afin d'en tirer profit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce aux musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours en décrivant son noble livre subhanahu wa ta'ala, il dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil-akhirati a'tadna lahum azaban alima. Certes, ce Coran guide à ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense et que nous avons préparé un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Donc regardez les bienfaits du Coran. La personne qui cherche guider, qui cherche guérison de son cœur, guérison de ce qu'elle peut ressentir comme doute, comme ambiguïté à travers la lecture du livre d'Allah et la méditation sur le livre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah, il dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Le fait qu'on ressente cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. C'est-à-dire que le Coran dissipe ce qui est dans le cœur comme maladie du doute, de l'hypocrisie, du polythéisme et de l'égarement. Il y a une guidée et une guérison de tous ces maux. Il est aussi une miséricorde amenant foi, sagesse, recherche et désir du bien. Il te pousse vers tout bien. C'est pour cela que quand on voit les personnes qui sont assidus à la lecture du Coran et à sa mise en pratique du Coran, tu vois que bien en lui. Ni dans son comportement, tu vois que le Coran, il agit sur son comportement, il agit sur sa personne, il agit sur sa façon de parler, il agit sur sa façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ani, ce Coran, il éduque la personne. Donc plus la personne est attachée à la lecture du Coran avec l'effort de la mise en pratique du Coran, plus cela se ressent sur la personne et améliore sa situation. Et ceci n'est accordé qu'à celui qui croit en lui. Attention, ce bienfait, il est accordé qu'à celui qui croit en lui et s'y conforme. Quant au mécréant, il se fait tort à lui-même à travers le Coran, dont l'écoute ne fait qu'augmenter son éloignement, son démenti et sa mécréance, car il ne croit pas de base. Celui qui profite du Coran, c'est celui qui croit au Coran, qui a croyance en lui et qui croit que c'est la réelle parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et que personne ne peut venir avec chose meilleure que ce Coran, même si les gens ils se réunissent. Personne ne peut venir. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si les hommes et les djinns, regardez, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient le faire, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Incapables.
Car ce Coran émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah azza wa jal, parfait en toutes choses. Donc ce Coran est inimitable en sa composition. Il est inimitable en sa composition et son écriture. Et en ce dont il informe concernant l'invisible, il est au summum de l'éloquence. Rien quand tu écoutes le Coran, tu vois que ce n'est pas n'importe quelle parole. Tu ressens que cette parole, c'est la parole du Créateur, la parole du Seigneur de l'univers. Rien que la beauté, même des gens qui ne comprennent pas la langue arabe, eh bien, ils savourent la lecture du Coran, subhanallah. Et ça leur fait augmenter en foi, ça leur fait augmenter en guidée, ça leur fait augmenter dans le désir de tout bien. Car c'est un livre béni. Il n'est semblable aux propos d'aucune créature. Et plus la personne, et d'où le bienfait d'apprendre la langue arabe, d'apprendre de méditer sur le Coran, plus la personne, elle atteint un niveau en sciences religieuses, en langue arabe et autres, plus elle voit le miracle de ce livre. Dans sa composition, dans les informations contenues, une perfection dans toute chose. Elle voit que ce n'est pas la parole de n'importe qui, c'est la parole du Seigneur de l'univers. Il n'est semblable aux propos d'aucune créature, car il n'est pas créé. Il n'est pas créé, le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah, réellement prononcée par Allah, subhanahu wa ta'ala, que Jibril a entendu d'Allah et a transmis au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a entendu. Et le Coran, il est préservé de tout mal, comme nous avons pu le voir dans le dernier cours. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu nahafidhun » C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est à nous qu'incombe sa préservation. Et il est préservé de toute transformation et altération. Subhanallah, il y a certaines personnes, ils mémorisent le Coran de manière parfaite dans la lecture, la récitation, avec les règles de Tajwid et autres, sans avoir connaissance de la langue arabe. Le Coran, il est préservé. Allah, il en a fait une facilité d'apprentissage. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce Coran et de ses innombrables bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toujours en décrivant son noble livre, « Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, inna tazkaratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Ce n'est qu'un rappel pour ceux qui craignent Allah et une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans la description de son noble livre, il dit « Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira » Allah, il dit « Béni soit celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. » Donc ce Coran, il te permet de discerner entre la vérité et le faux. La personne qui ne vit pas avec le Coran, comment elle va pouvoir distinguer cela? Il te permet de discerner, de distinguer entre la guidée et l'égarement. Il y a certaines personnes qui te font croire que le bonheur, c'est dans l'illicite, c'est dans le trafic de stupéfiants, c'est dans les braquages ou autre. Ils te font croire que par cela, tu vas acquérir le bonheur. Mais comment la personne peut acquérir le bonheur dans le mal? Comment la personne peut acquérir le bonheur dans l'illicite? Comment la personne peut acquérir le bonheur loin du livre d'Allah? Comment la personne peut savoir que ça, c'est faux, c'est pas bien, s'il est loin du livre d'Allah?
Ce qui va te permettre de connaître cela et de pouvoir distinguer entre ça et ça, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de personnes se sont sont venues d'un repentir sincère, malgré qu'ils étaient dans tout ce mal-là, et ils n'ont pas trouvé apaisement du cœur. Malgré qu'ils étaient dans l'illicite, ils étaient dans... Mais le cœur, il n'était pas apaisé. Jusqu'à ce qu'ils ont goûté à l'islam, ils ont goûté au plaisir de la lecture du Coran. Ils ont vu la guidée de l'égarement, ça leur a permis de distinguer entre la guidée et l'égarement par l'intermédiaire de ce noble livre. Et ça leur a permis de connaître le licite de l'illicite par l'intermédiaire de ce noble livre. Comment sinon la personne pourra connaître cela? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, toujours dans la description de son noble livre, « Bel huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. » Ce sont plutôt des versets clairs qui sont préservés dans les poitrines de ceux auxquels la science a été donnée. Et seuls les transgresseurs renient nos versets. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite ses versets, car c'est ça qui permet de profiter du Coran et que se rappellent les doués d'intelligence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toujours dans son noble livre, Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah a fait descendre le meilleur des discours, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à son écoute, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. C'est une cause d'apaisement du cœur. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà la guidée d'Allah par laquelle il guide qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toujours dans un autre verset, Inna alladhina kafaru bidh-dhikr lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yaday wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ceux qui ne croient pas au rappel lorsqu'il leur vient seront châtiés au jour de la résurrection, et c'est un livre puissant et inattaquable. Le faux ne peut l'atteindre d'aucune part, ni de devant, ni par derrière. C'est la révélation émanant d'un sage et digne de louange. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyun hakim. » Il, le Coran, est auprès de nous dans la tablette gardée, élevée et remplie de sagesse. Et toujours Allah subhanahu wa ta'ala, dans la description de son noble livre, il dit هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Ceci, le Coran, est une source de clarté pour les hommes, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. L'importance de la croyance et de rendre véridique le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir certitude aux informations contenues dans son noble livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans la description de son noble livre, il dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزيل من رب العالمين.
Non, je jure par la position des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel. Si seulement vous saviez, c'est un noble Coran dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur des mondes. Et regardez l'impact de ce Coran. Et le Coran, il a un impact et des répercussions. Des personnes ont été guidées, ne serait-ce que par l'écoute d'un verset. Et il a effet sur les gens. D'où l'importance de prêter attention à sa lecture. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre sur ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et s'effondrer par crainte d'Allah. Et ce sont des exemples que nous donnons afin qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire, si nous avions chargé les montagnes de recevoir le Coran, elles se seraient affaissées et se seraient fondues par crainte de ne pas s'acquitter de la vénération due à la parole d'Allah. Ceci est un blâme adressé à l'homme auquel il a été révélé. Mais ce dernier le dédaigne et se détourne de lui et de ce qu'il contient comme exhortation, comme s'il ne l'avait jamais entendu. Ça, c'est l'explication de l'imam At-Tabari, rahimahullah, sur ce verset. Et regardez les djinns lorsqu'ils ont écouté le Coran, leur ressenti. Allah, il dit: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Ils ont dit: nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide à la droiture. Regardez leur ressenti lors de l'écoute du Coran. Et c'est le ressenti de beaucoup de personnes parmi les humains. Lorsqu'ils écoutent le Coran, même ceux qui n'ont pas compréhension, ils voient la merveille de ce noble livre, rien qu'à l'écoute. Alors qu'est-ce que c'en est si la personne elle a la compréhension de cela et qu'elle a science des versets? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé dans une tablette gardée. Donc, chers frères, chères sœurs, tous ces versets permet d'énumérer certains bienfaits, et ils sont nombreux. Et il faudrait plusieurs cours pour pouvoir les énumérer. Et cela montre le mérite et le bienfait du Coran parmi nous, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en faire profiter. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يدعو.